Il m'a fait vivre tellement de moments difficiles. Quand Vergniaud m'a convoqué en urgence dans son bureau, j'étais sûre que j'allais encore me faire humilier. J'imagine. J'y suis allée tellement de fois dans ce bureau. Pour des deux en histoire, des zéros en maths, même une fois à moins deux en philo. Mais ça, jamais. Tu m'étonnes, ça a dû te faire un choc. Je la revois encore, là, qui met sa copie sous le nez. 12. 12 en maths, tu te rends compte? Mais la dernière fois qu'il a eu la moyenne, mon pitchoun, c'était en CP, en coloriage. Tu crois qu'il a fait une crise de schizophrénie? Je sais pas. Mais d'un coup, j'ai l'impression que c'était plus mon fils. Yo! What's up, les mamas? Alors, ça boit le thé, tranquillou, on se rappelant l'époque où les poils sous les bras étaient à la mode? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À Vergniaud, t'as passé ma note en maths, ça? J'ai combien? J'ai eu 3. 2. Non, mais tu sais, j'étais pas bien ce jour-là, j'avais de la fièvre et tout, et... 12? T'as eu 12? 12? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous vous fait à mon ami Slim? Non, mais tu crois que je suis malade que... Mais non, ma pitchoune, viens. Tu crois qu'on m'a kidnappé, qu'on a fait des expériences sur mon cerveau? Sorry! Shorakazam! Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, là? Je l'excise. Hein? Je l'exorcise? Ouais. Bon, bah, voilà, on y est. Ouais, on y est, ouais. Mais t'es sûr de toi, hein? T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Je suis sûre, ouais. Tu sais, ça fait longtemps que j'y pense. Je veux dire, j'ai 18 ans, toutes mes copines l'ont déjà fait. À chaque fois qu'on en parle, moi, je dois faire semblant d'adorer ça, alors, ouais. Ouais. En tout cas, ça m'a fait tout drôle, hein, quand tu m'as appelé pour me dire que tu voulais qu'on le fasse. Bah, on se connaît depuis longtemps. C'est normal que ce soit toi pour ma première fois. Et puis, t'as de l'expérience et je sais que t'es le meilleur de tous tes potes. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, par contre, faut que tu saches un truc, hein, c'est que quand on l'aura fait après, c'est fini, hein, tu peux plus t'en passer. Bah, dans ce cas, on le refera. Vas-y, je suis prête, montre-moi. Ok, donne-moi ta main. Il faut que tu sentes la chose. Ça vibre. Mais bien sûr que ça vibre. C'est une wireless killer controller, la meilleure manette de tous les temps. À chaque fois que tu décapites un troll, bim, ça vibre. Ça y est, j'ai joué à un jeu vidéo. Ouais. Bon, bah, maintenant que t'as joué à un jeu vidéo, peut-être on... Non. Attends, on discute. Dis-moi, maman. Mmh? Ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec papa? Cette année, ça fera 19 ans. 19 ans? Mais attends, si moi j'ai 19 ans, ça veut dire que j'étais déjà dans le coin quand vous êtes mariés. Ça se trouve, c'est pour ça que vous êtes mariés. Mais pas du tout, c'est juste qu'on s'aimait. Et puis ton père était vachement romantique, hein. Paps, romantique? Non, impossible. Tu dois te tromper, tu dois sûrement parler de notre vrai père, celui que tu nous as jamais présenté. Je me souviens la première fois qu'on s'est réveillés dans le même lit. Quand il a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Coucou mes princesses. Oup, oup. Salut fiston. Ça va? Dis-moi Paps, juste une petite question. Tu te rappelles de la première fois que tu t'es réveillé à côté de Mams? Oh, un petit peu que je m'en souviens. On avait tellement picolé la veille que je me suis réveillé avec une bétonneuse dans la tête. Alors, mais je savais même plus où j'étais. Quand soudain, derrière moi, j'entends des ronflements, mais un truc énorme, mais qui glace le sang. Hein. Je me retourne tout doucement, et là, je me retrouve nez à nez avec ta mère. Oh, t'imagines pas le soulagement. Hein. Oh, bah, vu la force des ronflements, j'ai cru que j'avais fini au pieu avec le gros GG. Et là, jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Tu te souviens, ma bête? Oh. Allez, je file, moi. À ce soir. À ce soir, Paps. Mm-hmm. Ah, y a pas de doute, hein. Mm-hmm. C'est bien mon père. Ça me fait plaisir. Je peux t'appeler le gros Gégé?